Là, il y a une trace de carnassier qui l'a chopé, là. Ce pêcheur-là, au bord d'un canal de la Nièvre, c'est Albert Drajkovitch. Ça fait 60 ans qu'il pêche, toutes les pêches. Et personne au monde n'a sans doute jamais pêché autant de poissons dans autant d'eau. Ah, j'ai dû prendre 28 tonnes de poissons environ depuis 68, ce qui fait une moyenne de presque une tonne par an, à 700-800 kilos par an avec des pointes à une tonne et demie, une tonne huit. Enfin, bon, y en a qui ont pris plus que moi. Enfin, j'avoue que j'avais pas mal d'heures de présence au bord de l'eau, hein, c'est ce qui fait. On ne prend du poisson que si on a une canne à la main. Il n'y a pas de problème. Mais dans la bouche et la main de ce prédateur-là, le pinceau alterne aussi harmonieusement avec la canne. Depuis plus de 50 ans, Albert Drajkovitch est aussi peintre. Né le 23 novembre 1928 à Belgrade, en Yougoslavie, d'un père serbe et d'une mère française, Albert Drajkovitch, qui vit en France depuis 1939, était décidément doué pour beaucoup de choses. J'ai été, je crois, un peu autodidacte dans toutes les choses que j'ai pu aborder. Enfin, on n'est jamais totalement autodidacte. Bon, on a tous ses maîtres quand même. À l'école, il s'est trouvé que j'en ai pas rencontré de qui s'adaptait à ma personnalité, mais enfin, j'ai su jouer avec, j'étais très bien vu. J'ai fait des études un peu comme tous les gars de mon âge. Rien de brillant. En France, un peu en dessin, même pas. J'ai passé un bachot fantôme. Au lieu de me présenter au examen, j'ai été à la pêche, tout en disant que j'avais été quand même à l'examen. Enfin voilà, ça a tout de même peu à peu pris une importance dans ma vie incroyable. La pêche, c'est à Garchy, petit village de la Nièvre, où habitaient ses grands-parents maternels et où il habite aujourd'hui, qu'Albert Drajkovitch l'a apprise tout seul, enfin, retrouvée et mise en pratique. J'ai tout appris ici. J'avais ma rivière, j'avais l'étang d'un ami. J'étais là autant que je pouvais le faire. D'ailleurs, j'ai souvent été privé de manger, de repas, parce que la grand-mère était très à cheval sur les horaires. Et comme j'étais pas très loin de la maison, il y avait là une cloche. Et au troisième coup, Albert était privé de déjeuner, s'il n'était pas là. Et c'est souvent que je n'ai pas déjeuné. Enfin, la pêche, donc, on m'a pas interdit. Ça n'a pas été un empêchement dans la famille. À Garchy, l'enfant venait pour les vacances, l'adolescent y fut accueilli et sa vocation encouragée. Alors, pêcheur et peintre, pêcheur ou peintre? Le jeune Albert avait en tout cas pour grand-mère une bonne fée qui l'a bien aidé dans ses choix. Peu à peu, les choses se rétrécissent vers ce qu'on doit faire un jour. Et je me suis mis à faire de la peinture à plein temps depuis 1905. 54. Grâce à la grand-mère d'ailleurs, dont on retrouve le nom en troisième position dans ma signature. J'ai fait ça pour la remercier, parce que c'est elle qui m'a financé mes premières expos à Paris. Et où j'ai toujours tout vendu à chaque fois. Alors peu à peu, ça s'est installé, j'étais devenu un peintre. Je suis comme les autres, il en faut des maîtres. C'est avec ça qu'on peut commencer à travailler.
J'ai eu les anciens, les primitifs. J'ai fait un métier de restaurateur pendant 2 ans, qui a sûrement été la chose la plus profitable de mon existence, parce que j'ai approché là des tableaux que personne ne voit de près, à l'envers, à l'endroit, par les rayons X, etc. Pour des besoins de livraison qu'il me plaisait d'assumer, écrit-il, j'ai transporté sur ma petite moto à travers tout Paris, vaguement emballé mais chaud contre ma poitrine, des Corot de Grand Prix, des Monet, des Braque, des Utriot, des Matisse, des Modigliani, des Picasso, des Dali. Peu de peintres ont tenu de si près sur leur cœur de tels chefs-d'œuvre. J'ai beaucoup écrit sur la pêche depuis l'âge de 17 ans. Je crois que je peux dire qu'à l'heure actuelle, je suis le plus vieil écrivain halieutique, comme on dit, de pêche, vivant. Depuis l'âge de 17 ans, on me connaît par un tas d'articles, dans un tas de revues qui se sont succédées les unes après les autres. Et il s'est produit à ma grande stupéfaction, surtout ces dernières années, où quand même ça commence à dater tout ça. Il se produit la chose que Drachko a pris une importance incroyable dans cette fin de siècle. Et c'est venu probablement à cause d'une monture qui s'appelle une monture à pêcher les carnassiers, qui est apparue au moment où il le fallait, et pour le poisson qu'il fallait, et dont l'efficacité s'est étendue à différents carnassiers. Et je pense que ça a contribué énormément au succès du nom. Les carnassiers, ils sont des feignants. Ce qui fait le succès de cette pêche, parce que si le poisson était normalement constitué, si je peux dire, il prendrait tout ce qu'il y a autour de lui facilement. Mais on a pris, tout le monde le sait, des brochets évoluant dans un océan de gardons. Je l'ai vu au lac du Der, Sainte-Coque, des millions de gardons. Il y avait là des pêcheurs qui prenaient régulièrement un très gros brochet avec un système qui imitait un poisson malade. Et le brochet est paresseux, le cendre est paresseux. Il préfère évidemment une proie blessée qu'une proie qui lui échappe et après à laquelle il est censé courir. La chose qui est capitale, qui ne s'apprend pas, c'est le sens de l'eau. On appelle le sens de l'eau, le sens du poisson, l'instinct de la pêche. Ça, c'est un truc inné. C'est quelque chose de sauvage, si on peut dire, de primitif. La pêche fait appel à beaucoup de sentiments très, très ancrés dans le bonhomme. Ça remonte loin, tout ça. Et c'est quelque chose que certains individus ont bien conservé ou ont perdu. C'est la passion, c'est au-delà du plaisir, qui amène à faire des sacrifices, des folies, des divorces, même beaucoup, parce que ça vous tient souvent lieu de tout. Je me suis marié très tard à cause de la pêche, parce que je sentais parfaitement bien que pour aller à la pêche et pour prendre du poisson régulièrement, il faut être en contact pratiquement journalier avec l'élément, avec le poisson. Moi, j'ai la rage de gagner sur lui. Il faut que j'ai raison. Il faut que je gagne. C'est ça qui m'intéresse à la pêche. C'est ça qui me fait chercher. Ça a l'air de mordre, je veux que ça morde encore plus. Alors j'ai des moyens pour ça. J'ai observé maintenant à la simple pêche au cou, en descendant un plomb, ceci, cela, on a plus de touches dans telle circonstance, en remontant le plomb. C'est une recherche permanente. Les hameçons, le fil, le montage des lignes, la présentation de lèche au poisson, et puis cette satisfaction de l'avoir couillonné quand même. Mein Trost ist nur allein, dass Jesus mein und ich sein eigen möchte sein. C'est l'automne à Garchi. Et une fois de plus, Albert Drachkowitsch, Thomas, peint dans son atelier.
Et la solitude est encore plus immense à la peinture. Parce que le chevalet, c'est tout de même un univers restreint. La pêche, on est aussi solitaire, mais enfin, on est solitaire comme la bête peut l'être dans la nature avec l'eau, les feuilles, les arbres, les oiseaux. La peinture, ça se limite à la toque, à la surface plate sur laquelle il faut aligner des couleurs. Alors là, c'est la solitude. Très grande. L'inspiration est souvent réservée aux paresseux, parce que oh ben aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui j'ai rien à dire, aujourd'hui non. Un peintre est d'abord un artisan, un gars qui se met au boulot comme un autre. Des fois ça vient pas, on commence souvent comme ça, en se disant oh ben je vais faire ça puis ça va bien aller, et hop on se prend au jeu, et puis petit à petit, ah, avec un peu de chance, il y a un centre d'intérêt qui vient de naître, on perfectionne le truc, l'exploite, les faits, etc. Mais c'est pas tous les jours. Entre deux tableaux, Albert Drashkovitch Thomas a toujours beaucoup voyagé. Mais pour pêcher, bien sûr. Toujours pêcher. Et peut-être aussi contempler le grand mystère de la vie sous le miroir de l'eau. Alors moi, ce qui a fait ma force, c'est que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup eu d'expérience dans beaucoup de pays, et ça s'est affûté, ce sens-là. Ce sens de l'eau s'est aiguisé, j'ai comparé, j'ai fait une synthèse de tout ça. Tous les poissons du monde se ressemblent, tous les endroits du monde se ressemblent sur l'eau. On est toujours attiré par ce qu'il y a de plus loin, par le mystère du voyage, le mystère d'une eau nouvelle. Moi, j'ai un étang à 500 mètres de ma maison, j'y vais jamais, il est plein de poissons, j'ai trop près. L'Espagne, la Mongolie, tout ça, ça me paraît plus près que mon étang qui est à 500 mètres. Même si on veut un autre raccourci, la berge d'en face est toujours meilleure que celle sur laquelle on se trouve. Le poisson est toujours de l'autre côté. Je pense que ça m'a maintenu moi-même, depuis toujours. Ça m'a maintenu une certaine liberté, ça m'a entretenu dans mes facultés diverses, de toute espèce, et puis ça satisfait un insatiable besoin de liberté.